Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que Geezy a sorti sur sa chaîne YouTube il y a à peu près un mois et demi de ça, une vidéo qui s'appelle Fall Guys dans la vraie vie. Il m'avait dit qu'il allait sortir cette vidéo, etc. Sauf que moi, c'était pendant un live qui était prévu depuis déjà quelques mois. Voilà, j'avais pas abandonné le live alors qu'il allait sortir sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo à lui parce qu'elle est trop bien faite. Il a tout créé de lui-même avec des costumes, etc. Et c'est vraiment trop drôle. Et sinon, bah, je vous laisse kiffer avec la mienne. Mais bien évidemment, vous savez que avoir ce genre de concept, que ce soit fait en live ou en vidéo, ça coûte un certain prix. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai un partenaire et je vous le présente tout de suite. Mesdames et messieurs, vous le savez, le prix de l'électricité a pris un certain coup. Et du coup, bah, grâce à cette OP, je vais pouvoir allumer les lumières derrière parce que c'est rentable. Voilà! Mesdames et messieurs, je remercie énormément Red Shadow Legend qui sponsorise cette vidéo. Red Shadow Legend a pris le pouvoir sur tous les jeux mobiles et c'est pour ça que les jeux ne seront plus jamais les mêmes. Vous avez la possibilité d'avoir une vraie expérience sur portable comme sur un jeu PC ou console. Vous avez la possibilité d'utiliser des centaines d'artefacts, plus de 600 champions qui sont présents dans le jeu. Ces champions ont d'ailleurs des compétences uniques, vous pouvez les faire évoluer, créer votre équipe pour effectuer des raids. Ce qui me surprend vraiment, c'est que Red Shadow Legend s'est imposé comme être un jeu mobile et PC de premier plan, et sont pas restés sur leur laurier les zigotos. Ils ont tout simplement fait des ajouts tous les deux mois. Et je vous propose un petit best-of de ce qui a été ajouté dans le jeu en quelques secondes. Premier ajout, le Doom Tower. Le Doom Tower est tout simplement un nouveau mode de jeu qui a été ajouté et il est vraiment incroyable. De nouveaux boss terrifiants à combattre et plus de 120 niveaux pour les joueurs un peu plus expérimentés. En tant que RPG de collection de haut niveau, Red Shadow Legend a commencé avec une centaine de personnages et au fur et à mesure des mois, plusieurs autres centaines de personnages sont apparus. Les créateurs du jeu ont passé plusieurs jours sur le terrain afin justement de créer des personnages plus incroyables que les autres, comme vous pouvez le voir sur les croquis qui apparaissent à l'écran. Et en plus des nouveaux personnages, ils ont décidé d'ajouter des toutes nouvelles factions, les Shadowkin, une tribu de guerriers de l'Extrême-Orient, récemment libérés du règne du mal, mais c'est pas parce qu'ils sont libérés du mal que c'est forcément les bons. Et pour moi, c'est l'une des factions les plus cool du jeu. Honnêtement, je peux continuer sans cesse à vous rabâcher ce qui a été dit à propos de Red Shadow Legend et ce que vous connaissez, mais je suis sûr que pour une grande partie d'entre vous, c'est le jeu qu'il vous faut. Et si le jeu marche aussi bien, bah c'est tout simplement parce qu'il est bon. Je vous invite du coup à télécharger via le lien dans la description, ça soutient la chaîne et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je vous parle d'une nouveauté qui est toute récente de la part de Red Shadow Legend. Un des champions extrêmement aimés de la communauté, Death Knight, a été un peu rework pour sortir une nouvelle carte légendaire surpuissante de ce champion. Et l'avantage, c'est que tout le monde, toi, moi, lui, mon chien, peut l'obtenir gratuitement. J'ai pas de chien. Pour ça, il suffit de jouer à Red Shadow Legend pendant minimum 7 jours, entre aujourd'hui et le 27 octobre. En plus, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer Red Shadow Legend, parce que, étant donné qu'il y a des joueurs, ça fait longtemps qu'ils jouent et qu'ils sont vraiment beaucoup trop forts, ce code promo est disponible pour les anciens et les nouveaux joueurs, c'est un petit boost pour vous. Le code promo DECARISE, eh, vous aimez bien mon accent anglais, vous permet de faire évoluer votre champion instantanément au niveau 50. Et pour les plus sceptiques qui voudraient pas encore se lancer, j'ai l'argument qu'il vous faut. En plus de tout ce que je vous ai dit, en scannant le QR code qui est quelque part sur l'écran, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, je ne sais pas, vous avez la possibilité de commencer le jeu avec un pack de démarrage d'une valeur de 30€. Il s'agit de Vergis, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP, et un éclat d'ancien pour que vous puissiez faire apparaître des champions hyper stylés dès que vous arrivez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend juste ici, en haut à droite de votre écran. En tout cas, je remercie Red Shadow Legend de sponsoriser cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec la vidéo. Bisous bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on se retrouve pour une course de 5 km avec plein d'obstacles gonflables, un peu comme Fall Guys. Let's go. Je suis déjà fatigué. Merci beaucoup à la commune de Bassam, sur ville porte des France évidemment. Leur FM, la radio, leur FM. Tout devant. Je vous demande de vous approcher de la scène si vous voulez. On va avoir un cadeau, moi. On va avoir un cadeau. Levez les mains en l'air. Let's go, attrapez vos sifflets. Allez, go, go, go.
Tout à l'heure, je vous l'annonce, restez bien au village des Bulky Games, puisque va y avoir DJ Matisse qui va mettre l'ambiance. Et il est très très chaud, DJ Matisse, en plus de ça. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Le départ pour midi va démarrer. Les gens qui courent à midi, allez-y, mettez-vous là-bas, mettez-vous là-bas. Vas-y, réessaye. Alors, Silo. Allez, Silo. Vous mettez juste en pause deux secondes, on va faire une photo pour le journal. J'arrive tout de suite. Allez-y. Ah, ah, trop simple, pas de soucis. Bonne course. Merci. De toute façon, elle est truquée, la roue. Et puis la merde. Allez, c'est bon. La saoulée. Bon, je vous présente Samy, mesdames et messieurs, Tessa qui fait la course avec moi et le staff. Vas-y. Alexis Carnero sur Insta. Voilà, voilà. Continue, c'est le moment, c'est bon. Tu vas, tu célibataire si tu veux. Ouais, célibataire. Ouais, sérieux. Ouais, sérieux, c'est ça, ça. Tu veux que du sérieux? Non. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, sérieux. Je suis ça en live, les gars. Vas-y, merci. Je rigole. Allez, salut. Allez, go. Non, Farès, enfin, commence pas à courir. Ah bah si, je cours, c'est bon. Je suis parti, moi. Attends. Oh, ça va, c'est tranquille. J'ai failli tomber. Non, vous n'avez pas couru. Non, mais on court là. Non, on court pas. On court. Moi, je cours, moi. Moi, j'y vais, hein. Salut, je me casse. Je fais déjà une crise d'asthme. Oh, je suis explosé. Oh, je suis explosé. Vas-y, c'est bon, on y va. Non, non, on y va. Ah, putain. Je fais tomber mon téléphone. Ah non, c'est Bouchi qui a tué. Non, il y a la fin. Attendez. Ouais, c'est trop con. Est-ce que vous nous voyez? Je fais tomber le Bouchi qui a tué. Mais c'est encore. It's great having you here. En vrai, il a dit une heure, mais une heure, c'est long quand même. Non, il a dit une heure minimum. Une heure minimum, une heure. Une heure, c'est trop vite. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai la flemme. Il a dit pas une heure. Courage. Oh, c'est un obstacle. Ah, de quoi? Il faut passer ça. Regardez. Mais si, si, si. Si, si. Moi, je suis un... Si j'arrive pas, j'offre deux subs. Ouais, je me mouille pas trop. Vas-y, vas-y. Attends quoi, tu dois monter sans Z là? Vas-y. Saute. Wouah, la classe. Le bouquetin des Alpes est une chèvre sauvage qui vit dans les montagnes du nord de l'Italie. Ils sont capables d'exploiter l'irrégularité du terrain pour grimper sur des versants escarpés. Monsieur, poussez-le, poussez-le! Non, c'est bon, c'est pas obligé. Attends, vous sautez et je saute après, d'accord? Voilà! Ok, je saute! Allez, mon gars! La ah, c'est d'un ridicule. Vous avez commencé là-bas? Non, on a commencé là-bas. Là-bas. Au départ? Ah ouais? On a fait à l'envers, c'est ça? Vous êtes pas parti par là? Ah mince, fallait continuer tout droit. C'est la fin, ça? Oui. Ah, on n'avait pas compris. Ah mince, bon bah, on reprend. On dit rien. On s'est trompé. Regardez le prochain obstacle. Ouah, c'est une dinguerie. Il faut passer au-dessus des boules. Il est où, mon sac? J'ai laissé là-haut. Non, avant d'y aller. Non, non, vraiment. Oh, vas-y, cours. J'ai oublié mon sac. Oh, le gland. Koka no yatsura o miro. Omae ga sou yu no nara, tsuyoki mono no hitori demo iru ka to omotta ga. Je fais déjà une crise d'asthme. Ah, je suis explosé. Omae ni iwareru to fushigi to hara ga tatan. Sou kantan ni kutabaru na yo. Tsuyoi aite ga itara, ore ni tatakawasero. Yeah.
Je fais déjà une crise d'asthme. C'est bon, j'ai récupéré. Je suis exposé. Non, on le fait en même temps, genre tu te mets à gauche et moi à droite. Ouais, c'est dur d'avoir la caméra. Mais... Attends, j'arrive pas à monter déjà. Malgré son apparence obèse, le porc est agile et peut courir vite. Il a l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamantin du Saint-Laurent. C'est le genre de... It was at this moment that he knew. He fucked up. Pour combien de subs là maintenant tu vas taper un bonjour? On a le temps. 100. 100 subs. 100 subs. Là tu vas. Tu, non, tu vas. Tu vas 100 subs, allez. Comment ça dans l'eau? Il y a eu 100 subs. Mais non. Mais non, mais qui a gift 100 subs? Qui a gift 100 subs là maintenant? Je vais plus dans le live 2 minutes le temps de. Ouais, faut que tu sois entièrement mis. Hein. Non, tu sais quoi? Non, je viens avec les chaussures parce que non. C'est dégueulasse qu'il y a 100 subs. Mais faut que t'enlèves ton t-shirt. Hein. T'as un truc sec à te mettre après. Ouais, hein. Y'a quelqu'un qui veut sauter avec moi? Qui c'est qui saute avec? Qui veut sauter avec moi? T'es chaud ou pas? Non, vraiment ou. Bah, regarde, il est chaud. T'as les chaussures et tout. Entièrement mouillé. Allez les gars. Oh, merci mec. Merci, merci, merci beaucoup. On est parti, on enchaîne avec la suite des événements. On a filmé pas mal de choses au téléphone parce que c'était chaud. En fait on a pas assez de bras quoi. On a pas assez de bras. Il faudrait 8 cadreurs et tout pour faire une vidéo comme ça. Il y a pas mal de choses que vous allez voir à la GoPro. Donc en vrai c'est sympa quand même. Let's go! C'est bon! Oh la tricheuse! T'as pas mis tes. T'as mis ton pied. Elle a mis son pied dans tous les tours? Je prends ma cuisse. Ouais, j'ai lancé des boules. J'ai roulé sur une boule. Elle est tombée. Je suis bloqué. C'est mon gros cul. J'ai un problème de cul. Faut y aller vite ça. Allez, 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 allez. Wow.
Oh bon voilà. Quelqu'un va à la droite. Vas-y monte là, monte là, monte là. Hop. C'est quoi la mauvaise réponse? C'est quoi la vanne? Ok, c'est bon, j'y vais, j'y vais! J'y vais, j'y vais! J'y vais. GoPro, j'ai jamais utilisé votre caméra, hein, sachez-le. J'ai eu le temps de mouiller, de sécher, de mouiller, de sécher, de mouiller, de sécher. Ah, la suite des événements. C'est le premier arrivé. Moi, je vais casser ma cam, les gars. Oh, go. Je suis sorti. Oh. Pardon, je suis heureux. Mesdames et messieurs, on arrive à la dernière épreuve. Vous la voyez, c'est celle du début, c'est la plus haute. C'est possible de monter à une main? À une main, c'est possible, ouais. Vous êtes sûr? Non, pour tenir la caméra. Essaye. Si t'arrives pas, tu me la balances. On verra alors. Attends, mais attends, ça va pas commencer. Ah mais c'est une course. Mais non. Ah, c'est une course. Ah si, c'est bon. Attends, mais c'est chaud, hein. Attends, je suis à une main, c'est chaud. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai failli tomber. Attends, j'arrive. C'est bon. C'est toujours le même problème. C'est bon. C'est toujours le même problème. Ça, j'avoue, ça fait peur. Attends, bougez, hein. Arrive. On a fini! On a fini! Let's go! Oh, j'en veux plus! Enfin! Enfin! Fini! Je suis bloqué! C'est mon gros cul! J'ai un problème de cul! Oh, je suis réussi à sortir!